Good morgen, allez Yiden, le tutor aujourd'hui est le Nishmat Dov Ben Yudit et Vata Amram Ben Chedva. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhat Shabbat Per Gimel Mishnah Aleph. Kira Sheisiku Abeka Shubik Vava, Notnin Alea Tavshil, Begafet ou Baitim Loiten, Hachigrof ou Hachiten et Taifer. Bet Shamay Omrim Chamin Aval Lo Tavshil, ou Bet Yilel Omrim Chamin Vet Tavshil. Bet Shamay Omrim Notnin Aval Lo Marzirin. Ubet Hillel Omrim, Af Marzirin, Mishnah qui peut être très simple ou très compliqué, on va la faire assez simple. Bezrat Hashem, si on doit prendre facilement un petit peu les cours de Mishnah Yot. Et après une semaine de pause quand même, ça fait un peu... faut relancer la machine. D'abord, on situe le Perek Kira. De quoi on parle? Si vous avez fait attention, à part la première Mishnah de Shabbat qui parlait de l'interdit de Hotsa dans les détails, mais... en fait, tout le reste, tous les premiers chapitres s'occupent en fait de préparer le Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être confronté à différents interdits pendant Shabbat. D'accord? On avait appris dans le Perek Rishon toutes sortes d'actions interdites durant l'après-midi, d'avant Shabbat, le vendredi après-midi, pour ne pas risquer à transgresser pendant Shabbat. Après, dans le Perek Bet, on avait parlé de l'allumage des bougies du Shabbat. Dans le Perek, troisième et quatrième Perek maintenant, on va se concentrer sur la manière d'avoir des plats chauds à Shabbat. D'accord? Troisième Perek, ça va être la manière de les laisser sur le feu, quel type de plat, de quelle manière. On va tout de suite expliquer de quoi on parle exactement. Et quatrième Perek, ça va être l'interdit de Hatmana, de couvrir les plats. En fait, tout tourne autour du même problème. S'il va être possible, d'une certaine manière, de manger chaud Shabbat, bien sûr, bien évidemment, de préparer, de laisser des plats chauds, de préparer, de prévoir des plats chauds pour Shabbat, on est quand même confronté à une certaine crainte. Que si tu vas mettre un plat sur le feu avant Shabbat, à cuire, et qu'à l'entrée Shabbat il ne va pas être assez cuit, et que tu vas devoir le manger le soir par exemple, eh bien on va craindre que machinalement tu vas passer à côté de ta casserole, alors que c'est pas assez chaud, tu vas ouvrir, tu vas te mettre à aller un petit coup de cuillère, prendre les aliments qui étaient en dessous, dans le haut de la casserole qui cuisait mal, les faire passer en dessous, et le bas le faire monter là-haut, en transgressant ça un interdit vadaï de Deoraita. Si toutefois l'aliment d'en haut n'était pas encore cuit et que, par le fait de le faire passer dans le fond de la casserole, il va être mieux cuit, eh bien il va y avoir en cela un interdit de bichoul. Ça on l'avait déjà évoqué dans le Perek Rishon. Dans le troisième Perek, maintenant on va plus se concentrer sur un décret spécial. Shema Yechate, de peur qu'il va attiser. De quoi on parle? On parle donc, comme on a dit, tu passes à côté de ta casserole que tu as préparée, tu vas la manger ce soir, tu remarques que c'est pas assez chaud, ça cuit pas assez bien, ça réduit pas assez, et hop, un petit coup de soufflet pour attiser un peu plus le feu, en transgressant l'interdit de Mavir et même de Mevachel, en transgressant un grave interdit. Donc du coup, Chachamim ont fait un décret que tu peux pas poser n'importe quoi sur n'importe quel feu avant Shabbat. Ouais, il y a plusieurs restrictions. C'est un sujet très vaste. C'est une Mishnah dans la Gemara qui est expliquée de deux manières. Et ça fait dans la Halakha une grande marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Comme qui tranchait la Halakha, comment interpréter la Mishnah. On va suivre le Pshat du Barthénoa qui suit en fait le Pshat du Rambam, qui est comme ça que le Shulchan Aruch tient en Halakha, qui correspond au Pshat, surtout pour les Sfaradim, pour les Ashkenaz, c'est plus compliqué. Mais on ne fait pas de la Halakha, on fait de la Mishnah. Donc moi, mon but, c'est d'expliquer la Mishnah selon le Barthénoa. D'accord? Donc, on commence directement à traduire, que vous allez voir comment ça se passe. Kira Sheisikua Bekash Obigvava. On parle d'un four, plutôt d'un Kira, d'une plaque de cuisson, qu'on a... Une plaque de cuisson, d'abord, je vous explique. C'est un... Il y a ici comme un fourneau, en fait, où dedans, il y a un combustible, et en haut, ça se rétrécit, et il y a de quoi poser une casserole pour qu'elle profite de la chaleur en dessous. D'accord? Ça, c'est de manière très générale. En réalité, Kira, on va parler de Kira, Tanour et Koupar, dans le Mishnah Bet et Gimel. Pour le moment, Kira, on parle en fait qu'il y a une chambre à chaleur, on va appeler ça une chambre à chaleur, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le four, en fait, où la chaleur elle est concentrée. Et puis, en haut, il y a de quoi poser deux casseroles. D'accord? De quoi poser deux casseroles. Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Si donc ça, c'est une Kira. À la différence de Koupar, où il y a de quoi poser une seule casserole, et Tanour, c'est encore en forme de trapèze, ça se rétrécit, il y a une chaleur encore plus forte. On expliquera quand on arrivera à la prochaine Mishnah pour ça.
Pour le moment, ce qui m'intéresse dans Kira, c'est Makom Shfitat Shtekderot. Il y a de quoi poser deux casseroles en haut. De ce fait, la chambre à chaleur, elle est plus grande, donc elle est plus vaste, donc le feu il est moins concentré. Sur ce cas précisément, la Mishnah me dit tout d'abord, Kira Shesiko Abeka Shomigbaba. Si toutefois tu l'as allumé, ta plaque de cuisson, avec cache ou gvava, avec deux sortes de paille. Concrètement, si ça vous intéresse, maintenant il explique, il y a lorsqu'on coupe le blé, ou toutes céréales, il y a ce qui reste dans le sol, et il y a la queue que l'on coupe avec, avec l'épi lui-même. Après, on va battre le blé, on va récupérer la queue, et on va faire aussi deux sortes de paille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle la paille, qu'est-ce qu'on fait, le foin, j'ai vaguement cherché, je n'ai pas vraiment trouvé. Il y a, donc en tout cas, c'est deux sortes de paille en fait. Il y a la paille qui reste au sol, après on va la couper, on va la récupérer. Et puis à part ça, il y a la queue de l'épi qu'on va aussi récupérer, qu'on va faire du foin. Tout ça, ce sont des combustibles. Si on a chauffé le tanour, la kira, on a chauffé la plaque de cuisson avec cela, alors la Mishnah m'enseigne notnin alea tavshil. Tu pourras poser, avant Shabbat, ton plat dessus. Par contre, si c'était be gefet ou be'etim, si c'était avec Gefet, c'est du charbon, et Tsim, c'est avec du bois, tu lâches avec des combustibles qui sont beaucoup plus longs, qui ont beaucoup plus de chaleur et beaucoup plus d'endurance en fait. Eh bien, Loïten, tu ne pourras pas poser dessus Ad She Igrof ou Ad She Iten Atafer, jusqu'à que tu vas. Igrof, c'est ramasser le charbon, ou bien She Iten Atafer, que tu vas mettre dessus de la cendre. C'est-à-dire, j'explique. Notre problème, il est quoi ? Comme on a expliqué, de peur que tu vas machinalement attiser. On parle ici que tu as un plat qui n'a pas fini de cuire ou pas fini de mijoter. Comme ça, le Bartanoï, il explique. Il a soit pas fini de cuire, il a cuit à moitié, au tiers, mais ça n'a pas encore fini de cuire. Ou bien même, il a déjà cuit. Mais plus tu vas le laisser, mieux ça va mijoter. Comme toutes sortes de plats, où tout le plaisir, il va être quand le plat, il va bien mijoter. Donc maintenant, tu es intéressé à ce qui va rester sur un feu pendant longtemps. C'est-à-dire... Tu peux maintenir la chaleur de ton fourneau pour que le plat reste chaud. Mais le problème, il est que là, tu veux plus que ça. Tu veux que ça continue à cuire. Or, si tu veux que ça continue à cuire, on craint que tu vas aller attiser machinalement. De ce fait, pour que tu n'attises pas machinalement, alors il y a deux solutions. Soit tu utilises un combustible qu'on attise, qu'on n'a pas tellement l'habitude d'attiser. Un feu de paille, on n'attise pas, il brûle tout seul. Il brûle, il produit sa chaleur, puis après il s'arrête. Il s'enflamme tout seul. Ça, c'est kashuk-vava. Dans ce cas-là, aucune restriction. Tu laisses ton... sur ton fourneau, tu mets ta paille dedans, ça brûle, et puis ça garde la chaleur, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu veux utiliser des combustibles qui sont beaucoup plus lents, qui ont beaucoup plus d'endurance, comme c'est le cas avec le bois et le charbon, dans ce cas-là, on a une vraie crainte que tu vas attiser. Pour qu'on soit certain que tu ne vas pas attiser, alors on va te demander, je commence par le deuxième, c'est que tu vas saupoudrer dessus de la cendre. Du coup, tu as étouffé un peu ton feu. C'est interprété de plusieurs manières, mais concrètement, en tout cas, quand tu vas vouloir aller l'attiser, tu vas voir qu'il y a une pellicule de cendre au-dessus, tu ne vas pas l'attiser, ça va te rappeler qu'il y a eu une différence. Igrof, c'est interprété de deux manières, en fait. C'est soit tu pousses toutes les charbons d'un côté, dans ce cas-là, quand tu vas vouloir l'attiser, tu vas voir que pourquoi le charbon il est tout concentré d'un côté. Tu diras, ah, c'est Shabbat aujourd'hui, donc tu ne vas plus l'attiser. Ou soit, une deuxième solution, le partenaire explique autrement, il explique qu'en fait, que tu vas ramasser tous les charbons, tu vas les sortir du four. Seulement, même quand tu vas le ramasser, il va toujours tresser un petit peu. Et on va craindre de nouveau que tu vas attiser. D'où la... Donc, la Mishnah, en fait, je reprends maintenant. La Mishnah m'a dit, tu veux laisser ton plat pour le manger chaud ce soir, vendredi après-midi, tu veux le manger chaud ce soir, puisque si ton plat, il a besoin de continuer à cuire, ou même à mijoter, parce qu'il est déjà mangeable parfaitement, la viande, elle est molle, il n'y a pas de problème, mais plus ça va mijoter, mieux ça va être, on craint que tu vas attiser. Donc, il faut assurer... que tu vas pas machinalement attiser. Donc, deux solutions. Soit tu utilises un combustible qui est de la paille, qu'on n'attise jamais parce que ça brûle tout seul, ou soit si tu utilises un autre combustible, eh bien, il faut que tu fasses une action que tu vas couvrir ou retirer les cendres, retirer les charbons, de manière à ce que maintenant on n'a plus le risque que tu vas attiser machinalement. D'accord? Voilà pour l'interprétation de la Mishnah. Je vous ai dit, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, entre parenthèses, la Gemara l'explique. Comme ça, pour le rameau, il tient comme le Tosfot, qu'on parle uniquement d'un plat qui n'a pas encore cuit au tiers, mais c'est la cuit au tiers, tout devient permis. Il y a encore de quoi beaucoup rallonger, mais je me concentre sur la Mishnah.
Et je continue maintenant. Bet Shammai Omrim, maintenant on va voir deux marloquettes. Et je vous explique succinctement de quoi ça va parler. On t'a dit, on t'a permis une certaine action, de laisser ton plat sur le feu. On va avoir deux discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai va interdire normalement, va permettre un cas, et Bet Hillel va permettre quatre cas, tout simplement. Vous pouvez le faire en tableau. On parle de deux types de plats. Il y a soit tu laisses un plat d'eau, à inclure aussi tout plat, que tout, plus tu vas le laisser, plus que tu n'as pas intéressé à ce que ça cuit davantage, juste que le feu, la chaleur soit maintenue, mais pas un plat qui mijote en fait. Et donc ça va être appelé soit chamine, de l'eau chaude, soit un plat. Quand on dit chamine, c'est de l'eau chaude. L'eau chaude, une fois qu'elle est chaude, tu n'as pas d'intérêt à ce qu'elle va cuire davantage, parce que sinon elle va s'évaporer. D'accord? À la différence d'un plat qui va cuire plus. Ça, il va y avoir une discussion sur ça. Et une deuxième discussion sur ça, là, pour le moment, on a parlé du cas où tu le laisses avant Shabbat et tu vas le prendre. Mais même lorsque tu vas le prendre, est-ce que tu as le droit de le remettre ensuite? Bet Shammai va interdire, Bet Hillel va permettre. C'est-à-dire qu'en deux mots, en fait, on va se retrouver, en fait, que Bet Shammai va te dire, tu sais, ce que je t'ai permis de laisser sur un feu couvert, c'est uniquement de l'eau chaude, et je te permets de la laisser et de la prendre une seule fois. Et Bet Hillel va dire, non, je te permets de laisser de l'eau chaude, et même aussi un plat qui va même continuer à mijoter, avec ses mitztamek veyafelo, plus il va se réduire, mieux ça va être, je te le permets, et même, lorsque tu vas le prendre, je vais même te permettre de le remettre. Alors que Bet Shammai va te dire, non, juste de l'eau, tu la laisses, et dès que tu l'as prise, t'as plus le droit de le remettre. C'est-à-dire, en fait, après Bet Hillel, par exemple, t'as le droit de laisser, tu laisses ta daf, si tu veux, le soir, tu la prends, tu sors un petit peu des aliments qui sont dedans, parce que tu as envie d'en manger un petit peu le soir, et après tu la remets sur la plaque. Ça, d'après Bet Hillel, c'est permis. D'après Bet Shammai, il te dit, ça va pas à la tête. Je te permets de laisser de l'eau, mais de l'eau que dès que tu vas la sortir, tu n'auras plus le droit de la remettre aussi. D'accord? Et on découvre tout ça dans les mots, et puis après on explique un petit peu mieux les raisons de chaque chose. Bet Shammai omrim, chamin avalot avshil. Bet Shammai nous dit, tu sais, juste ce que je t'ai permis de mettre sur un feu couvert, ce n'est que chamin, de l'eau chaude. Aval l'otavchil, mais pas un plat. Le Barthénois, il nous dit, non, c'est plus précis, mais en tout cas c'est précis avant, mais un plat qui va continuer à mijoter. Même ça, je te le permets, même pas. Parce que finalement, même lorsque le feu il est couvert, mais malgré tout, il reste quand même un peu de chaleur que tu risques malgré tout d'attiser. Ça peut te prendre malgré tout de vouloir le faire. Donc on te met une barrière beaucoup plus stricte. Je te permets de laisser un plat où tu n'as pas d'intérêt à ce que ça cuit encore mieux. Donc juste que tu maintiens la chaleur, donc c'est de l'eau, mais pas un plat qui se cuisine. Bet Hillel te dit non. Et dès que tu as couvert ton feu, ton charbon, que tu l'as poussé sur le côté, eh bien tu peux laisser aussi bien chamin vetavshin, de l'eau chaude comme un plat. D'accord? Bet Shammai omrim, Bet Shammai enseigne, attention, même ce que je t'ai permis en laissant de l'eau chaude, notlin aval morzirin, je te permets de la prendre, tu la laisses, et quand on a besoin, tu la ressors, tu la prends, mais c'est tout. L'omarzirin, tu la remettras pas ensuite. Bet Hillel omrim, mais Bet Hillel te dit, af marzirin, tu auras le droit même de la remettre après, si tu veux. D'accord? C'est clair? Il s'avère qu'en fait, on a deux paramètres. Il y a le paramètre quoi, et le paramètre quelle action. Paramètre quoi? Est-ce que juste de l'eau ou même un plat? Bet Shammai te dit, juste de l'eau. Et Bet Hillel te dit, même un plat. Et après on a le paramètre quelle action. Bet Shammai te dit, juste tu laisses, après tu le prends une fois. Et Bet Hillel te dit, non, tu as le droit même de le remettre. Maintenant, pour le remettre d'après Bet Hillel, que l'on précise dans le Barthénora, on parle que tu as le droit de remettre même, tu as le droit de remettre tant que tu l'as retiré, tu ne l'as pas posé par terre, et par terre, c'est discuté après sur, si tu la laisses sur une chaise ou quelque chose, sur un plan de travail, en tout cas, tant qu'on garde la main, concrètement, c'est comme ça dans la halakha qu'on tient, tant que tu le gardes dans la main avec intention de le remettre sur la plaque ensuite, tu as le droit de le prendre. C'est-à-dire, en fait, tu veux retirer ta daf, tu n'arrives pas maintenant, tu as juste un petit bout de viande pour donner à manger à un enfant. Mais tu veux laisser le reste du plat, tu n'arrives pas à le faire quand c'est encore sur la plaque. D'après Bet Hillel, tu la prends, tu la maintiens, en fait. On va parler de la khatrila, tel que Barthénois l'explique. D'accord? La halakha, c'est un peu plus permissif d'Afka. Et tu la tiens en main, tu l'ouvres, tu la gardes en main, on permet même de la laisser un petit peu, tu la poses un petit peu sur ton plan de travail, et tu la laisses en autre côté, tu retires ce que tu veux, tu refermes ta plaque, et tu la remets ensuite, tant que le feu il est couvert. Concrètement, ça s'explique comment si un feu couvert chez nous? Ça implique qu'en fait, on n'a pas... Ça implique
Pour ceux, par exemple, qui allument au gaz, aujourd'hui, on a la plaque de cuisson du Shabbat. En général, la plaque de cuisson du Shabbat, beaucoup de décisionnaires la considèrent qu'elle est directement couverte. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut augmenter. Donc, il n'y a plus de risque que tu vas augmenter le feu. Il y en a qui disent que c'est permis tel quel, et il y en a qui sont marmurés de rajouter dessus, on rajoute une plaque d'aluminium épaisse, ou une plaque de fer, ou quelque chose comme ça. D'accord, on la couvre d'aluminium pour dire, ah, c'est couvert, donc c'est différent. Il y a maintenant celui qui n'a pas de plaque de plata de Shabbat. Comment il fait? Il peut utiliser sa plaque de cuisson habituelle, même vitrocéramique s'il veut, ou bien peu importe. Mais dans ce cas-là, il va falloir d'une part retirer les boutons pour qu'il ne puisse plus machinalement augmenter le feu, et il va devoir aussi couvrir le feu. Il devra prendre une plaque et la couvrir dessus. Maintenant, encore, il y a beaucoup, en Israël c'est fréquent, d'ailleurs ça fait des dégâts, mais bon, ils laissent le gaz allumé. Ils laissent le gaz, et puis ils prennent une plaque de fer, qui recouvre tout, et même les boutons. Et dans ce cas-là, ça devient permis, parce que c'est justement, c'est déduit de cette Mishnah, parce que c'est Garouf Vekatoum. C'est le même principe. Tu as empêché le risque d'attiser machinalement la plaque. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on pourra laisser dessus? On pourra laisser, selon tel que c'est Barton en enseigne, juste un plat qui a suffisamment cuit. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.